tous mes remerciements, mes chaleureux remerciements pour ce geste qui me touche beaucoup. C'est vraiment pour moi un honneur. Pour le petit Mondoua du Gazaï que je suis, j'ai mon nom des chèvres, c'est même encore plus mais quand on donne un plaisant pareil, c'est très touchant. Vraiment, je n'oublierai jamais ça. Comme je n'oublierai jamais l'accueil que la vie me prend. Je suis sûr que mon défunt père, là où il est, lui qui n'a jamais eu ce privilège-là, d'être reçu comme ça ici à Bukavu, il doit être fier de moi et c'est grâce à lui. Par rapport à cette alliance que nous avons scellée avec mon beau-frère, je veux vous prendre à témoin de ce que je veux dire, pour que si jamais demain je transforme mes propos, que vous soyez les premiers à me maudire s'il le faut. Je ne trahirai pas les termes de cet accord. Je suis avec lui. Et vous allez le voir, dans tout ce que je vais faire, je vais toujours être avec lui. Je ne le trahirai jamais. Si après le 23, il y a quelque chose qui arrive qui ne soit pas prévu dans ce que nous, on a prévu, lui et moi, on se concertera toujours. Et je ferai tout pour qu'on ait la même position. S'il n'est pas d'accord, je n'avance pas. S'il est d'accord, j'avance. Mais on va le faire toujours. Amen. Donc ça, vraiment, je vous le dis parce que je veux que vous soyez nos témoins aussi. Donc cet accord, c'est pour vous aussi. Nous l'avons fait pour qu'on soit d'accord. Donc les prochaines étapes, nous irons au Kassai. Je vais aussi expliquer aux Bakalengan de là-bas que désormais, Vital Kamer et son UNC marchent à côté de nous des restes. Nous avons les destins liés. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Je vois que même on enregistre, c'est bien. Parce que ça, au moins, ça va rester. Donc, je vous remercie encore et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.